Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre aventure sur 3D Game Heroes. J'espère que vous allez bien. On était au niveau de cette magnifique petite plage sur laquelle nous avions décidé de prendre des vacances, non pas du tout. On avait décidé donc de se rendre au niveau du Temple High de l'eau. Ah merci. Sauf que, eh bien on s'était perdu en chemin, donc là on est un petit peu en mode... on explore, hein. On explore tout simplement. Donc on était arrivé par là après avoir passé donc après être passé vers le village de Colneria village. Donc on va juste voir un petit peu tout ça. Alors là c'est bizarre qu'il y ait un polar. Et ici je crois que j'y étais déjà allé. Cette zone ça me parle un petit peu puis c'était déjà exploré en partie sur ma carte en fait. On va aller voir quand même juste au bout là-bas. Oui, on l'a eu. Ouf. Oh ok, ça donne 100 pièces d'or lorsqu'on tue cette espèce de petit machin de mercure. C'est la première fois qu'on arrive à en tuer un, donc c'est des espèces de monstres qui vont super vite. À chaque fois, ils arrivaient à s'enfuir. Là, on a réussi à le tuer. Donc j'ai l'impression qu'ici, il n'y a rien. Ah, un coffre. Ok, un petit peu d'argent. Rien d'extraordinaire. Mais oh là là. Ils sont chiants avec leurs attaques à distance, ces monstres. Ah, d'accord. Et ici, tout en bas... Ah, bah si, regardez, il y a un truc. Alors... Fin morte. Ok, agence de voyage. Merci d'être venu par ici. Regarde tout ce que j'ai comme équipement. Ok, Oh, ouh, c'est joli ça, mais j'ai pas assez d'argent. Claymore, Silver Ring. Donc, anneau d'argent et une épée Claymore. Bon, c'est dommage que j'ai pas assez. Et là-dedans, il y a quoi? Oh, yes! Du coup, on obtient une vie supplémentaire. Regardez en haut à gauche. On a autant de vie que de jauge de magie maintenant. Bon, il faudra me faire penser aussi à revenir ici si jamais. Tout d'un coup, je me rends compte que j'ai assez d'argent pour acheter ces épées. Enfin, cette épée et cet argent. Cet anneau d'argent, oui. Je saute des mots dans mes phrases. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au niveau de la ville et puis on va prendre le chemin vers l'ouest pour essayer de rejoindre donc, le donjon de l'eau, le temple de l'eau. Juste avant, donc j'avais vu un petit passage vers ici avec le grappin, donc j'y étais pas encore allé. On va aller voir ça. Voilà. Encore des pots que je peux pas atteindre. Oh là là, il me font spawn l'ennemi dessus. Ok. C'est une pancarte. Qui, vous le voyez, est sans importance. Troll, on s'est fait totalement troller. Juste, on va tuer celui-là. Là, il est bizarre, il est louche. Ok, non, mais ça sert... Ah, attendez. Ouais, non. Ça sert à rien de venir ici. Oh, à part se prendre des ennemis qui nous spawnent dessus, j'ai un petit peu perdu mon temps. Hop, voilà. Donc on va faire une ellipse, temps de retourner à l'ouest du village, histoire de gagner un petit peu de temps. Et donc direction le temple de l'eau. Voilà, donc on n'était pas encore allé voir par là, donc on va essayer d'explorer tout ça. Ok, donc... Pour l'instant, hein, c'est pas des monstres plus compliqués que ce qu'on avait au début du jeu, donc on va pas vraiment y être. Voilà, donc là il y a une zone à grappin. Parfait, il manque un petit peu de vie. Il y a même deux zones à grappin, donc il y en a une en haut et une en bas, voilà. Ah, bah, en bas c'est un coffre, donc on va aller le prendre. Voilà. Ah, encore un petit bloc. Alors je n'ai pas encore lu vos commentaires hein, par rapport au petit bloc, donc je ne sais pas si je dois y aller pour récupérer les épées ou pas. Pour l'instant, je conserve les petits blocs, dans le doute. Et là-bas, il va falloir poser une bombe. Probablement une fontaine d'effets. Oh. Il y a un petit machin noir qui est passé devant l'écran, je sais pas ce que c'était. On aurait dit des tirs de poulpe, peut-être, si possible. Alors, encore un vieux. Une information pour 60 or, ouais, vas-y. Sans blague. Ok, donc machin, l'inventeur de je sais pas quoi, a un fils en gros. Ou un truc dans le genre. Bon, j'ai pas bien compris, mais en gros, c'était l'information la plus bidon du monde, quoi. Il aurait pu me dire...
Je sais pas, genre les chats en quatre pattes, ça aurait été pareil. Hein. Merci l'information bidon. Hop. Ma foi, je crois qu'on va arrêter de parler aux gens qu'on trouve dans des grottes, hein, parce qu'on se fait troll à chaque fois. Mais c'est tentant, hein, c'est ces gens-là qui se cachent dans des grottes et qui trollent les aventuriers. C'est toujours tentant d'en reparler. Mais bon, là ça fait deux fois qu'on se fait avoir. On se fait escroquer d'une façon pas possible. Hop. Meurs toi. Est-ce que je vais en bas ou est-ce que je vais à droite? Je vais aller voir par là. Voyons voir, que nous dit la carte? Pas grand chose. Alors là c'est le village. Ok, là on redescend encore. Bon. On se rapproche un petit à petit. Ah, ce serait pas ça le temple? Mince, je peux pas y aller par là. Ah, alors, désolé pour les bruits Skype, risque d'en avoir un ou deux là durant l'épisode, je suis désolé, j'avais oublié de ne passer en ne pas déranger. J'espère que ce sera pas trop gênant. Donc ça doit être ça le temple, donc on est juste à côté. Ouh, aïe, aïe, aïe. Hop, alors, parfait. Vous inquiétez pas, j'irai tirer les oreilles à la personne qui me dérange sur Skype. Comptez sur moi, je vous vengerai! Petits abonnés, ne vous inquiétez pas. Je sais pas pourquoi je dis petit, mais... Peut-être que vous êtes petit, je ne sais pas. Ça va le poulpe? La vie est belle? Voilà, merci, bonsoir. Aïe! Je suis tellement doué que j'étais sûr que j'allais me faire toucher. Ah, mais on peut pas renvoyer avec le bouclier. Ok, sans or. Oh, secours! Bon, c'est bon. Mais non, je me suis fait toucher, mais j'ai... Crois pas. Ok, le temple. Ok, il va se calmer notre personne sur Skype. Là, mon dieu, je vais péter un plomb. Waouh. Oh, c'est beau. J'ai cru voir quelque chose bouger. Non, Navi, enfin, Lee, n'y va pas. Elle va se faire bouffer par un poisson géant. Perk, c'est un calamar. Oh, merci, mon petit calamar. Si seulement ça, ça pouvait arriver dans Ocarina of Time aussi. Vous imaginez, Navi qui se fait bouffer comme ça. Hop, on est débarrassé d'elle après. Ce serait tellement beau, mais bon, hein, arrêtons de rêver. Donc, eh bien, on va pouvoir débuter ce nouveau temple, hein, comme prévu. Ok, donc ça, c'est un timer. Une fois qu'on a appuyé dessus, il faut appuyer sur le deuxième. Le temps est fini. N'utilisez pas votre tête, utilisez vos jambes. Oh, c'est quoi ça? Ah, pour le coup, j'aime bien la musique du temple de l'eau. Allez hop, un petit peu de vie. Donc là, on peut pas y aller. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va actionner ces deux machins. Voilà, et ici on a encore ces espèces de plantes, elles me font penser à ce Pokémon fossile là, que je sais jamais comment il s'appelle, mais il y a un petit air de ressemblance je trouve. Donc là on n'a pas la clé, donc on va descendre. J'espère qu'on va pas se faire attaquer en chemin par vers le gros poulpe. Hop, ouais, cette épée est quand même bien cheatée. Ok, tirer au centre. Bah ouais, allez hop. Ouais, magnifique. Ok. Non. Oui. Je suis pas très bon à l'arc. Hein. c'est pas facile dans ce jeu l'arc. Il y a une espèce d'effet de physique un peu bizarre, un peu étrange. Tiens, on n'a jamais testé ça. Est-ce que ça marche contre les ennemis? Oh. Ah, ça a pas tué l'ennemi du bas. Tiens. Bon, en tout cas, ça marche. Trop facile. Hop. Alors voyons voir à quoi ressemble la carte du donjon. Bah pour l'instant à rien. Bah oui, vu qu'on n'a pas débloqué la carte du donjon. Suis-je bête? Eh, mais on y voit rien là. Allez hop. Oh là là.
Ah, c'est ces ennemis mages là. Hop. Bim. Voilà, bonsoir. Y'a quoi ici? Rien. Il y a que dalle là, on s'est fait un petit peu arnaquer. On va descendre. Ok, ici c'est fermé, c'est pas beaucoup mieux, hein. Bon, bah j'ai pas la clé. Mais au moins on sait qu'il y a une porte fermée ici et que c'est juste après une salle dans l'ombre. Oula, mince, c'est bon. Alors, on va plutôt aller voir du coup vers le haut, hein. C'est la seule solution qui nous reste. À mon avis, on devrait peut-être obtenir la clé vers ici. Oula. Ouais, donc là, je vais un petit peu souffrir, voilà. Hop, c'est bon, on a rien vu. Ok. Un petit peu de vie, s'il vous plaît. J'ai légèrement galéré à toucher le pauvre, c'est pas grave. Une porte rouge. Ah, mais vous souvenez de ce marchand qui vendait des clés, là? Eh ben, parfois on a été bloqué par des portes bleues, parfois c'était des portes de couleur rouge. Donc à mon avis, bah, c'est lui qui nous permet de débloquer ces fameuses parties dans les donjons qu'on n'a pas pu encore explorer. D'accord. Bon, vous confirmerez ça dans les commentaires. Ce qui voudrait dire que pour explorer certaines salles du donjon, il faut tout simplement avoir un peu d'argent, vu que les clés quand même coûtaient plus ou moins cher. Ah, mais il tire. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attendez, on va tuer celui-là. Voilà. Donc là, il y a plusieurs interrupteurs, encore une fois, actionnés. Voyons voir. Donc, si je tue les ennemis, ça ne fait rien. Bon, la porte en haut, par contre, est bloquée. Ok. Mais, oh là là, mon dieu, quoi. Je suis pas très doué, là. Hop. C'est vrai que notre épée reste assez puissante, mais... Par contre, je prends très cher. Là, y a rien. On va aller voir ici. Donc, a priori, ce serait un donjon, donc, sur deux étages. Non. Au secours. What? Il y a un petit peu un truc qui nous a foutu en dehors de la salle, mais j'ai pas compris ce que c'était. Ah. Non! Je pensais que ça renvoyait les tirs des petits blocs, moi aussi. Enfin, aussi. Ah, mince. Bon, bah, allez, on continue. Il faut qu'on revienne dans cette salle, donc où il fallait utiliser les flèches sur le mur. Ah ouais, ben ce donjon va pas être simple, hein, j'ai l'impression. Eh bien, let's go, retournons là-bas. Hop, on va faire ça rapidement en ellipse, hein. Essayons de gagner un petit peu de temps. Ok, au moins ça a enregistré qu'on avait ouvert les salles, donc ça devrait être assez rapide. Voilà, de retour donc dans cette fameuse salle. Alors, va falloir que j'aille au centre pour pouvoir tirer la flèche là où il faut. Toc, 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 toc. Aha! Parfait, en deux coups, tiens. Je m'améliore. Et on a la clé secrète, la clé magique. La fameuse clé. Non, c'est une clé comme les autres, mais c'est pas grave. Qui va nous permettre de débloquer donc la porte qui était... du coup, derrière cette... derrière la salle qui était dans l'ombre, dans les ténèbres. Donc il fallait passer par là. Alors là, on va les snobber, ceux-là, voilà. Hop, hop, une petite flèche, je prends. Il fallait passer par le mur. Toi, tu m'auras pas. Et il fallait descendre ici. Donc les ennemis, pas besoin de les tuer. Bon, pour l'instant, en fait, en dehors de la mort, le donjon est pas trop compliqué. Je l'aime bien, ce donjon. Il est pas... Disons qu'il est en ligne droite pour l'instant. On n'a pas besoin de faire des allers-retours dans tous les sens. Donc ça me va très bien, ce genre de donjon. Hop, voilà. Alors, à gauche ou en haut? On va aller à gauche. Aïe. Pas doué. J'ai appuyé sur la touche du bouclier, mais ça n'a pas marché. Ouh, un nouvel ennemi, tiens. C'était une espèce d'œil. Ah, je l'ai raté.
vraiment mauvais à l'arc, c'est pas possible. Ok, donc ça c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Une clé. Bon, parfait, j'ai une bonne intuition en allant à gauche en premier. C'était une bonne idée. Ah, ma flèche, ma flèche. Ah, dommage. Bon, il me reste encore 12 flèches, ça devrait suffire. Plac. Parfait. Ok, encore un timer. On va juste tuer les deux mages, récupérer les pots. Ah, les mages, c'est vraiment les ennemis les plus bidons du monde. Hop. Vous imaginez, ils ont passé plusieurs années de leur vie, peut-être des dizaines d'années à apprendre à utiliser la magie, pour se faire ratatiner par un abruti qui a un petit pouvoir de renvoi de magie, de rien du tout. Je vais y arriver. Parfait. En fait, en vrai, fallait appuyer sur l'autre bouton normalement, mais c'est pas grave. Ça aurait été plus simple vu qu'ils avaient pas le même temps de timer. Qu'est-ce que quoi? Bon, par exemple. Alors là, je ne comprends pas ce que je suis censé faire. On ne peut pas tirer les blocs, hein, on peut que les pousser. Qu'est-ce que je suis censé faire? On va tenter de pousser des blocs au hasard, mais... pas trop l'air d'être ça la solution. Bon, attendez, peut-être que j'ai pas vu ce qu'il fallait faire en rentrant. Aha. Voilà, parfait. Ouais, il est un peu plus compliqué que les autres, celui-là. J'ai pas vu du premier coup d'œil comment il fallait faire. Ah, d'accord, il tire des machins aussi. Ah, il se déplace que quand je me déplace. Ok. Ils sont horribles, ces ennemis. Ils sont horribles, ces ennemis! C'est pas possible! Oh, mon dieu. Ok, bon, deuxième mort. Ouais, ces ennemis sont... comment je suis censé les vaincre sans avoir l'épée qui traverse le décor, quoi? C'est pas possible. Et voilà, deuxième mort. Oh là là, mon dieu. Il y a de quoi devenir fou dans cette histoire. Alors, vous savez quoi? On va s'arrêter ici. Je sais que l'épisode d'aujourd'hui aurait été un peu plus court, mais il aurait été assez sympathique, je pense. Donc, bon, ça devrait vous convenir. Et puis, si c'est pas le cas, tant pis. Moi, j'en ai juste marre de crever dans ce donjon. Donc, je vous reprendrai pour l'épisode suivant. Normalement, bah oui, ce sera demain, hein, pour vous. Donc, d'ici là, portez-vous bien, et puis j'espère que ce petit donjon va s'avérer un peu plus simple par la suite. Là, j'ai peut-être besoin un petit peu de me calmer aussi, donc c'est pour ça, je vais me calmer un petit peu, je vais essayer de me concentrer pour la suite du donjon, et on va essayer de le terminer sans mourir de façon supplémentaire, parce que là, c'était assez ridicule. Bref, voilà, laissez un petit pouce vert si l'épisode vous a plu, et donc, à bientôt!